C'est de clients. C'est bizarre, on est pourtant vendredi soir. Papas heureuses, regarde. Tu es toujours aussi nul en danse. Quoi, Phil ? Parce que je t'aime, Julia. Tout simplement. Seul ? Oui, je viens te présenter une amie. Un peu plus qu'une moi. Écoute-moi attentivement, à ton réveil, et crée ce projet. Je suis vraiment désolée de te briser le cœur ce jour si important. Taille de l'accident, agent d'Adou ? Oui, inspecteur. Nous avons deux femmes qui... Non. Non. Fidèle n'a pas pu nous faire ça. Il faut vraiment qu'on fasse la lumière sur cette situation. Je n'en reviens pas. Ne pleure pas, on dirait bien qu'il s'est payé notre tête. Non, je ne crois pas. Fidèle ? C'est n'importe quoi, je veux l'entendre. Non, c'est une blague. Il faut qu'il se réveille pour nous dire la bêtise qu'il a faite. Je vais aller le réveiller moi-même. Docteur ? Docteur ? Où est-il ? Calmez-vous, mesdames. Monsieur Latimoncio est dans le coma. Vous ne pouvez pas lui parler pour le moment. Posez-vous tranquillement et parlez-vous calmement. Nous sommes dans un hôpital. Que se passe-t-il, maman ? Je suis venue avec grand-mère, elle est au téléphone. Papa va bien ? Il est en vie ? Oui, ma chérie, il est en vie. Dans le coma. Viens, assois-toi, et s'il te plaît, ne me pose pas de questions. Maman n'a pas envie de parler pour le moment. D'accord. Je comprends. Je vais prier avec mamie. D'accord, demandez à Dieu s'il existe de venir me donner la paix. Je suis vraiment tourmentée. Maman. Comment as-tu fait le trajet, mon fils ? J'ai pris le bus. C'est la vie de mon père en jeu. Je n'ai pas réfléchi. Déjà, comment se fait-il qu'il ne soit pas à Bordeaux et que l'accident ait lieu ici ? À une heure de chez nous ? Mon fils, c'est une longue histoire. Il semble que ton père a une deuxième famille, ici dans cette ville. Non. Papa, il n'est pas comme ça. Il est dans le coma, j'attends qu'il se réveille pour m'expliquer. Je suis perdu, mon fils, vraiment. Et c'est qui l'autre dame ? Elle est dans la salle d'attente avec sa fille. On n'arrive pas à se parler, j'ai voulu venir ici changer d'air. Je suis dévastée, Dylan. Sois forte, maman. Nous allons comprendre ce qui s'est passé, c'est sûr. Pourquoi je me retrouve ici ? Cette ange que je vois au fond ? Elle est avec qui ? Ça va, mon chéri ? J'ai hâte qu'on voyage enfin ensemble. Moi aussi, ma chérie, je veux juste qu'on soit ensemble sans personne d'autre. Et que diras-tu à ton mari ? Bof. Je lui dirai que pour le boulot, je dois voyager. Il est aveugle, fidèle, il ne s'en rend même pas compte. Elle me trompe, ange ? Elle a osé me faire ça ? Non. C'est Christelle également à gauche ? Je passe un trop bon moment, Malik, merci. Tant que tu es contente, c'est le plus important, ma princesse. Heureusement qu'on a réussi à duper ton mari. Il est trop idiot, celui-là, il croit toutes mes manigances. Ne parlons plus de lui, profitons. Ça fait mal de se faire tromper et de passer pour un idiot. Je n'aurais pas aimé être à la place de mes femmes. J'ai compris. Mon cœur me lâche. Aidez-moi, s'il vous plaît. Dieu, je ne me suis jamais adressé à toi, mais si tu existes, aie compassion. Si je reviens à moi, je te promets que je serai une autre personne. Donne-moi une seconde chance. Je sais que je n'ai jamais pris au sérieux la vue spirituelle, j'ai été à l'église juste pour courir après les femmes, j'ai même volé un jour dans une église à l'époque, mais Jésus, donne-moi la chance de te connaître, je veux me repentir. Je suis revenu ? On dirait que oui. Merci mon Dieu, merci Jésus. Il faut maintenant que j'affronte mes femmes. Je dois leur dire la vérité. Camille ?
Que fais-tu ici dans le hall de l'hôpital ? Je te retourne la question, rien de grave ? Mon père a eu une crise cardiaque et a fait un accident de voiture ce matin. Il s'appelle comment ton père ? Fidel Latmoncio. C'est toi la fille de l'autre ? L'autre qui ? On a le même père Dylan. Non. C'est sûr que c'est ta mère le problème. Mes parents sont ensemble depuis 13 ans. Pourquoi tu accuses ma mère ? Elle aussi est avec lui depuis 13 ans. C'est ta mère qui lui a mis le grappin là-dessus. C'est vous qui avez gâché nos vies, 13 ans de ma vie à moi et à ma mère. Parce que tu crois qu'on s'amusait à faire des gâteaux nous en 13 ans ? Ma mère aussi souffrait des navettes. Quand je pense que j'ai été proche du camp de l'ennemi. Arrête de dire ça. Je te permets pas de me toucher à nouveau. Arrêtez de vous battre les enfants. Viens Dylan, on part d'ici. On vous cherche chez famille Latmoncio. Monsieur s'est réveillé. Il veut voir ses femmes. Rassurez-moi, vous êtes bien d'eux ? À moins qu'il ait d'autres femmes qu'on ne sait pas à ce niveau. Vu comment il nous a menti. Cette fois je suis d'accord. Il a peut-être d'autres femmes ce vénard. Salopard. Charognard. Lascar. Tétard. Cafard. Il nous a eu ce malhonnête. Heureusement qu'il s'est réveillé, j'espère qu'il est prêt, je ne vais pas lui laisser la tâche facile. J'espère surtout qu'il est bien réveillé et qu'il va pas jouer la perte de mémoire, il nous doit raison d'explication. Bonjour à toutes les deux. Au moins tu as l'air d'aller un peu mieux. On t'attend, vas-y parle. Et tu as intérêt à être convaincant. Arrête de faire ta victime. Oui Fidèle, crache le morceau. J'ai connu Ange en premier lors d'un concert, et ses magnifiques yeux verts m'ont captivé. Elle était tellement belle, je n'écoutais plus le concert, mais je la regardais elle. J'étais seul à ce concert, et je suis rentré avec une amie. Ce jour-là je déprimais parce que je venais de perdre mon boulot. Et Ange a été d'un grand soutien. Comme d'habitude elle s'est encouragée. Direct le premier jour elle m'a donné de la force et ça n'a plus cessé. Ce jour-là tu avais un haut vert et des cheveux plus longs. Tu vas t'en sortir Fidèle. Je te connais pas assez, mais au bout d'une heure d'échange je vois que tu es un homme intelligent, intéressant, tu peux tout faire si la motivation est là. Remotive-toi mon gars. Et donne-moi ton CV, on va chercher ensemble. J'ai commencé à ne plus me passer d'Ange. J'ai eu du boulot et je voulais même la présenter à ma sœur. Tu as une sœur ? Je pensais que tu étais sans famille. Ce n'est pas tout à fait ça. J'ai une grande sœur et des oncles qui nous ont élevés quand nous avons perdu nos parents. Je la vois de temps en temps, mais je ne lui ai jamais dit que j'étais marié avec des enfants. Elle est très religieuse, elle n'aurait pas adhéré. Je lui mens aussi depuis 13 ans. C'est pas possible. 3 mois après, j'ai rencontré Christelle lors d'une mission d'affaires. Elle m'avait dépanné à la caisse du restaurant parce que j'avais un souci de carte bancaire. Sans me connaître, et sa générosité m'a touché. Sans faire exprès, je vous promets, je suis tombé également amoureux d'elle. Elle était drôle, bonne vivante, on allait partout ensemble faire la fête. Même les plus glamour. Tu vas kiffer cette soirée. Il y aura la crème de la crème. Merci ma chérie, j'ai hâte, on va bien s'amuser. Oui et pour ton anniversaire, direction Bahamas la semaine prochaine. Je m'ennuie jamais avec toi. Voilà. Je voulais faire un choix, mais je n'y arrivais pas, chacune d'entre vous m'a porté quelque chose. Et 6 mois après chacune m'a appris qu'elle est enceinte. Là, je n'ai pas voulu laisser mes enfants vivre sans père. Comme je n'ai jamais connu le mien. Et comment tu as fait pour nous épouser toutes les deux ? Comment tu jonglais entre nous ? Ce sont de faux mariages. En vrai légalement, ils ne valent rien. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, j'implore votre pardon. De pire en pire. Regarde-moi bien Fidèle, parce que c'est la dernière fois que tu me verras. Si en plus on n'est pas marié, on n'a plus de lien. Je me barre, j'envoie tes affaires à l'adresse d'Ange. Je ne veux plus jamais, jamais te revoir. Et ton fils s'est fini, fait une croix sur lui. Je suis désolé, vraiment. Pardonne-moi. Pardonne-moi.
Christelle, ne pars pas s'il te plaît. Et toi, Ange, dis quelque chose s'il te plaît. Ça va, Ange? Tu as l'air pâle. Docteur? Docteur? Ange est tombé dans les pommes. Madame Monciot. Ne m'appelez plus comme ça. Je suis désolé, je veux vous annoncer une bonne nouvelle, ou pas. Vous êtes enceinte. Depuis 10 ans j'essaie, rien. J'ai tout tenté, rien n'a marché. Et c'est aujourd'hui après cette révélation avec Fidel que je suis enceinte. Calmez-vous madame, après les examens je vois aussi que vous êtes anémie et votre tension est basse. Calmez-vous pour le bébé s'il vous plaît. Combien de mois? 2 mois et demi déjà, vous n'avez pas senti les symptômes? Non, rien. Je ne sais même pas s'il faut être en joie ou triste. Je pense que c'est votre seule chance d'avoir un deuxième enfant. La décision vous appartient. Venez les enfants. Je sais que vos mères vous ont raconté toute l'histoire. Comment tu as pu, papa? Je pensais bien faire, mais aujourd'hui j'ai compris que je n'étais pas dans la volonté de Dieu et j'implore son pardon. Pardonnez-moi aussi les enfants, je vous en prie, et surtout, ne vous fâchez pas entre vous. Le lien du sang est plus fort. Je suis désolé d'avoir insulté ta mère. Moi aussi. Par contre, papa, il va falloir bien plus que des excuses pour que je te pardonne. Apparemment, tu as trouvé le Christ pendant ta journée de coma. Moi aussi. Ma grand-mère m'a donné envie d'aimer Jésus et elle m'a parlé du pardon tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais y arriver un jour, mais je vais prier. Je rentre avec maman. Elle veut quitter la ville. Je te recontacterai, papa. Moi, je t'aime toujours. Au revoir, ma sœur. Je t'aime aussi. Nous sommes innocents dans cette histoire de fou. À bientôt, Dylan. Comment tu vas, Ange? Et Fidel? J'ai appris qu'il s'est réveillé. Tu étais au courant, Dieudonné, tu savais cette double vie. Tu es un traître. Depuis 3 ans que c'est ton ami. Oui, tu as raison. J'ai honte de moi. Je te demande pardon. Depuis un petit moment j'ai dit à Fidel de tout avouer, mais il n'a pas voulu. Il m'a fait du mal, je suis perdu, Dieudonné. Perdu. Laisse Jésus soigner ton cœur, Ange. Regarde-moi. Jésus peut te donner la force de pardonner, d'aller de l'avant, de réparer tout ça. À condition que tu décides cette fois de lui donner les rênes de toutes tes décisions. Cette fois prends un nouveau départ et demande-lui de prendre tes fardeaux. Parfois on veut tout contrôler nous-mêmes, mais quand tu donnes à Jésus tes fardeaux et que tu te libères à lui, je te promets il soulage. Ouvre-lui ton cœur. Pleure dans ses bras, tu as le droit de souffrir, d'avoir mal, d'être confuse, mais tu dois te relever après, et il est là pour t'accompagner dans chacune de ces phases. Un vrai ami fidèle, ma sœur. Tu veux que nous prions ensemble? Oui. Merci d'être passé me voir, Ange, pour me ramener à la maison. Tu vivras seul dans cette maison fidèle, je suis rentré chez ma mère. Tu as raison. Tu sais, pendant ces 3 mois à l'hôpital tout seul, j'ai beaucoup réfléchi et prié. Aujourd'hui je sors et je veux commencer une nouvelle vie. Christelle, c'est fini, c'est du passé, dans le fond, c'est toi que j'aime. C'était toi au début et toi à la fin. Je veux t'épouser, cette fois pour de vrai. Pardonne-moi, Ange, et donne-moi cette seconde chance d'arranger les choses. Moi aussi j'ai rencontré Dieu fidèle et je suis en processus de pardon, c'est pas facile, pardonner n'est pas toujours automatique. Mais je ne peux pas te donner de réponse aujourd'hui. Laisse-moi réfléchir. Je comprends. Prends tout ton temps. Maman, je suis perdue. Fidèle veut m'épouser et j'ai son bébé qui pousse dans mon ventre. Cette décision est la tienne, ma fille. La première chose à faire est de continuer à prier pour demander au Saint-Esprit la force de lui pardonner. Pour le reste, demande aussi le discernement à Dieu. Cette situation est délicate, prends ton temps. Il sait que tu es enceinte? Non. C'est le père, il doit le savoir. Bon courage, ma fille. Je suis là pour t'épauler, tu peux compter sur moi. Et si c'était toi? Qu'aurais-tu décidé? Aurais-tu pris la fuite? Partage-nous ta réponse en commentaire.
et abonne-toi à la chaîne.